I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Bonjour à vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans Action. Ah non. Si, bah si. Dans un hall Action. On est à l'action. Toi t'en es pour combien? 38. Non, 40. Et en plus, c'est moi qui ai payé. 43. 40. Ah, faut que je te rembourse. Oui, tu veux que je me rembourse. 43 euros, moi j'en ai pour 89 euros. Personnellement, moi je trouve ma coiffure est dégoûtante. Je trouve que ça a augmenté chez Action. Je sais, on en a déjà parlé. Mais ouais, je trouve que ça a augmenté plutôt pas mal. C'est un petit peu chiant. Tu glisses. J'ai acheté pas mal de choses inutiles. Je vais vous montrer ça. Mon frère a acheté des trucs plutôt pratiques. Donc on se complète un petit peu. Je suis très très bien installée. Je suis un petit peu basse. Merci beaucoup. Faut que je m'assoie pas. Non, c'est bon. Assis par terre. Non, mais c'est bien, non? Oui, c'est bien. Oui, c'est. Non, c'est bien. On voit pas ma tête. C'est bien. Bah vas-y, fais comme tu veux. Et donc, on vous montre tous nos petits achats. Maintenant. Alors, je commence. J'ai acheté. On en avait plus à la maison. Du papier toilette. Et j'en ai pas acheté un. Ni deux, mais hop, trois. Ah, papier cul, voilà. Ah bah t'as le temps là de voir, hein. J'ai le temps de voir venir. Donc voilà, celui-là est très très bien. Je vous en parle à chaque fois, j'aime beaucoup. Voilà, on a compris. Allez, papier toilette. À mon tour. Vas-y. Donc je vous ai acheté une petite cocotte. Alors moi j'ai déjà la grosse cocotte. Maman. Donc pour faire les bœufs bourguignons, les gros plats. Mais en fait celle-là elle est plutôt petite, enfin intermédiaire on va dire. Donc je vous ouvre. En fait elle est très très bien parce qu'elle est pour tout feu, pour tous les feux. Induction, gaz, tout ça. Électrique et tout ça, le soin. Et en fait je vais vous montrer. Désolé pour le bruit. Donc le couvercle il est en verre et il y a le petit silicone. Donc ça c'est parfait. Et toc, tu vois. Et donc c'est nickel, elle est très très bien. Très facile à nettoyer, ça n'accroche pas. Ça fait un an que j'ai l'autre et j'en suis très content. Et donc j'ai acheté La petite. Voilà. Moi j'ai pris des panières comme ce... Bonjour le chat. J'ai pris des panières comme ceci. Bon, j'en ai pris deux et je vous en montrerai une. Une panière comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez plusieurs hauteurs, la même contenance mais plusieurs hauteurs. De toute façon les panières de chez Action sont plutôt pas mal. Elle fait 37,5 sur 29,5 sur 13,3 pour information. Voilà. Comme ceci et ça ce sera nickel. Donc 13,3 de profondeur. De profondeur. À l'intérieur tu mets 13,3 de hauteur. Voilà, de hauteur, ouais. Ouais. Donc ça, ce sera nickel pour ranger mon petit bordel dans ma chambre. Donc j'ai acheté encore de la pâtée pour chien. Je n'en ai pas acheté un, je n'en ai pas acheté deux, je n'en ai pas acheté trois, mais j'en ai acheté quatre. Voilà. Pâté pour chien. Pâté pour chien. Et ça, c'est moins cher chez Action ou pas? Ouais. Ouais. À peu près. En fait, c'est le prix que je paye à Action, c'est le prix du bas de gamme à Carrefour. Donc en vrai, la marque Carrefour. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. Ensuite, moi, j'ai pas acheté un, ni deux, ni trois, mais quatre. Allume-feu. Samba, tchingale. Sans le stream, il y a ma fille qui dort. Donc j'ai acheté quatre allume-feu comme ceci. Samba, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Alors, je les clip, j'utilise tout le temps. Alors attendez, toujours pour le feu, pour la cheminée, comme ça je vais ranger pendant que mon frère vous présente votre article. J'ai repris mes petites bûchettes comme ça, je vous en parle à chaque fois, de la marque Samba. Je les adore, elles sont très très bien, vu le prix que ça coûte. Je les adore. Je les adore, je les hume. Non, franchement, je les kiffe. Je les kiffe. T'as pas intérêt à les humer. Donc voilà. Ensuite, pour le petit chien, j'ai encore acheté des petites friandises. Voilà, des petites friandises. Et en plus des friandises, j'ai acheté aussi ça. Deux sticks XXL pour que Ruby. Pour que. Oh là là. Voilà, pour que Ruby, elle mange ça. Mais on, voilà, j'arrive pas à faire focus. Bon, voilà. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais les couper et lui donner au fur et à mesure. Voilà. Toujours pour le feu, pour la cheminée. Nanana. Ça va le chat? Faut qu'on fasse la miniature avec le chat en fait. J'ai pris ces papiers là. Ceux là ils sont nickel pour moi. Pour laver la vitre du foyer. Donc du coup j'en ai pris pas pris un. J'en ai pris deux, franchement je les kiffe. Je vous les conseille à 200%. Ils sont très très bien même pour laver vite fait, pour essuyer quelque chose. Ils sont super bien, ils sont super épais, je kiffe.
Ensuite, encore pour le chien, j'ai acheté des sacs pour les déjections. Bon, ça s'appelle sac ramasse-crotte. Il y en avait encore une. Je trouve que c'est un peu vulgaire de dire crotte. Tu vois, crotte, c'est crotte. Hein. Mais bon, après, tranquille. Je vais dire crotte. J'ai pris. Tiens, j'ai pris un gel douche que je ne connaissais absolument pas. Alors oui, mon frère m'a dit, chocolat chaud. C'est dégueulasse. Mais je l'avais jamais vu. Donc c'est un dope. Oh my god. Parfum chocolat chaud, franchement. Mais voilà. Mais il y a plein de saloperies. On sait que la composition des dopes n'est pas top. Mais franchement. En fait, t'achètes juste du savon et tu te savonnes. Ou t'achètes du Benko, tu mets dans le Benko. Mais non, mais sérieux. De quoi. Et moi, donc voilà, j'aime bien. J'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un pour le faire gagner dans un petit jeu concours. Et toujours dans les gels douche. Qui est le cancer de la peau. Cancer de la peau, j'ai pris celui-là qui est parfum Rocher Coco. Rocher Coco, oh, non, oh. Mais t'es ma. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les délires de la senteur. Senteur. Senteur ratatouille. Senteur. Pizza, kebab. Senteur raclette. Imagine kebab. Senteur fromage au poivre. Non, mais j'avoue, ça sent bon, mais pourquoi? Et pourquoi pas? Faites un commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez des produits qui sont artificiels pour la peau et pour l'hygiène? Voilà. Ouais. Je voudrais bien que vous puissiez la raisonner, parce que moi je n'y arrive pas déjà de base. Voilà. J'ai acheté des pipasol, c'est-à-dire que c'est juste des graines de tournesol. C'est assez bon, c'est pas mal, c'est chouette. Moi j'ai pris pour nettoyer par terre au niveau de mon foyer de cheminée, parce que quand je mets mon produit il y en a plein qui tombent par terre, donc c'est trop chiant. Je sais ce que tu vas dire, il faut pas utiliser ce genre de choses, mais bref. J'ai pris les petites lingettes comme ceci, senteur citron, mais honnêtement ça sent pas vraiment le citron. J'utilise vraiment pour nettoyer par terre, juste comme je viens de vous le dire. Elles sont pas désinfectantes ni tout ce que tu veux. Elles sont très bien imbibées si tu fermes bien le petit touloulou. Et ensuite j'ai pris celles-là qui sont senteur menthe. Celles-là elles sont bien parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus épaisses. Il y en a 25, elles font 20 sur 29 cm. Voilà pour information. Et voilà, elles sont top pour mon usage à moi. J'aime beaucoup. Je vais ranger. Enfin bon, t'achètes du vinaigre et puis c'est bon quoi. Bref, on va passer ça. J'ai acheté des sacs congélation parce que j'achète des trucs, de la viande par exemple ou du saumon, truc machin. J'aime bien séparer le manger et comme ça, hop, tu sors juste ce que tu as besoin pour faire la cuisine. Il y en a un deuxième en fait. Il y en a un deuxième. Non, non, rajoute pas. Pareil, j'en rajoute une couche. Ce sera pareil, donc celui-là c'est Rocher Coq. Ce sera pour un petit futur jeu concours. J'ai pris ensuite, je savais même pas qu'ils faisaient ça chez Action, un reboucheur pour les trous. Parce qu'il y a quelques trous à reboucher dans la maison. Pourquoi tu ranges pas au fur et à mesure? Ensuite, parce que j'ai pas de sac. Ensuite, j'ai acheté pour le vélo. En fait, normalement, j'utilise la dynamo de mon vélo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle marche plus. Donc, faut que j'en rachète une. Mais en attendant, et comme nous, on a deux, on va peut-être avoir un deuxième vélo. Donc, voilà. J'ai acheté des lampes à LED. Donc, ce qui est très bien. En fait, pourquoi j'ai pris celle-là, les amis? Attendez, je... Voilà. Pourquoi j'ai pris celle-là, c'est que la bague, elle reste fixe. Donc ça t'évite en fait de, tu sais, comme celle de Décathlon, d'enlever de machin. Donc en fait, la bague elle reste fixe, mais tu peux enlever juste les lumières. Donc par exemple, pour pas te les faire voler, parce que à Paris, on te péta tout le temps tes lumières. Non mais c'est vrai. Moi j'ai déjà vu quelqu'un pour s'amuser, il les mettait en bague de doigts et il allumait les lumières genre ouh c'est bien. J'adore. Enfin bon bref. Moi j'ai pris pour les jouets des gamins. Alors oui, mon frère me dit faut prendre des trucs rechargeables et tout, mais trucs rechargeables, franchement c'est chiant. Ça dure pas longtemps. Mais bon. Je trouve ça chiant et voilà, ça me saoule. Et si vous avez de bonnes marques de piles rechargeables, laissez-moi un commentaire pour me dire quelque chose qui fonctionne bien, quelque chose qui ne coule pas et qui tient dans le temps. Voilà. Bah, donc, le temps, une pile pour que ça coule, il faut du temps. Hein. J'ai envie de te dire, bah forcément. Hein. Ah bon? T'as déjà coulé? T'as déjà fait couler? Ah bah j'ai déjà coulé beaucoup. Neuve. On en parlera plus tard. Donc j'ai pris des Duracell comme ceci. Ils ont changé leur packaging, je sais pas. Ça donne un aspect visuellement de genre de biotitude. Je sais pas, c'est un peu bizarre. De biotitude. Je te jure, ça fait pur. Je sais pas comment expliquer. Ah bah oui, c'est. Donc j'ai pris des AA comme ceci et j'ai pris et des OOA comme cela. Tu pourras m'en passer trois? Trois quoi? Trois AAA.
Ah, et passez soin. Ah, ah. Non, non. Ah, 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 ah. Ah, 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 des ah, 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 ah. Pourquoi? Bah, parce que j'en ai besoin pour ma télécommande d'ambiance, de lumière. Ambiance. Alors, waouh, j'ai vu ça. Parce que tu sais, chez Action, il y a quand même des trucs un peu. C'est pas la qualité, quoi. Et donc, j'ai trouvé des petites. Des chaussettes très mignonnes. En fait, je vais vous montrer. En fait, je c'est vrai qu'elles sont sympas. Non, parce qu'en fait. Bah, attends, je présente un truc, tu les ouvres? Ça te va? Alors du coup moi j'ai pris pour le boulot, j'ai pris un chargeur comme ceci. Franchement les chargeurs, même les chargeurs c'est Action, c'est devenu super cher. Donc j'ai pris celui-là qui était à moins de 3€. En fait vous avez un embout pour moins le... Ouais, moins de 3€ pour le Samsung on va dire. Et l'embout enfin, pour le micro USB, micro et, USB pour et pour l'iPhone. Donc j'ai pris ça, je vais le laisser au boulot. J'ai mis mettre mon... T'as qu'à écrire ton prénom dessus. J'ai marqué Piu. J'ai marqué Piu dessus pour pas qu'on me le vole. Et voilà, on espère qu'ils servent un peu à tout le monde, mais qu'ils servent pas à quelqu'un en particulier en mode carottage à la de... maison. Voilà, carottage de trucs. Donc voilà, ça se présente comme et ceci. Et ben on va voir combien ça dure, parce que ça on ça connaît. Va durer tu deux connais, jours. Toi-même ça, tu connais. Sais. Franchement, c'est pas un truc de alors. Ouf. Attends, c'est pas un truc de ouf. Tu laisses un truc au boulot, tu dis ne touchez pas, on va te le bouffer. Moi ça me saoule. Mais non, mais il faut que il faut mettre une étiquette. Ouais, mais c'est faut chiant. Éducatif avec les gens. Le vol dans ton bureau, je trouve ça ouf. En plus, et ensuite, j'ai repris un chargeur celui-là, il est vraiment pour moi. Il était presque à 10 balles, enfin à 8€ des boîtes. Donc voilà, pour iPhone, il fait 1m50, garantie de 2 ans. Ok. Voilà, et comme ceci. Donc, je peux y aller, moi. Donc, j'ai acheté des chaussettes. Écoute, moi, je trouve que ça peut être un très bon cadeau pour Noël. Elles sont très mignonnes. Donc, il y a les emojis. Donc, je les trouve plutôt cool. Et les Pac-Man, qui sont aussi très, très mignonnes. Donc, je vais les offrir à quelqu'un que je tiens, à qui je tiens fort. Pauvre mec. Et donc, attends. Juste, je vais les essayer. Parce que en fait les chaussettes c'est toujours la même chose. T'achètes des belles chaussettes, mais en fait elles tiennent pas le pied, elles tombent. Enfin toi, hein? Est-ce que toi aussi t'as des chaussettes qui tombent toute la journée et tu remontes comme ça? Enfin, bon, faut acheter des. Mais je t'avais acheté des trucs. De... Ouais mais ton truc. En fait elle m'a acheté des bretelles à chaussettes s'il te plaît. Non mais pipiute. Pipiute. Non, elle m'avait acheté un truc, c'est quoi? Elle m'avait acheté un porte-jartel pour les chaussettes, carrément. Je sais, je voulais une photo là. Non mais MDR, vas-y, mets la photo. Donc on va juste tester. Ouh, les fétichistes. Ouh, Dieu. Alors, je fais n'importe quoi aujourd'hui. En fait, j'étais juste à chaussettes pour savoir. Écoute, elles ont l'air de bien tenir et en fait, le petit logo, il est sur le côté. Sur le téco. Sur le côté là. Pac-Man. Wow. Elles sont vraiment pas mal, je pense qu'elles vont tenir, j'espère. Est-ce qu'elles sont agréables aux chaussures? Ouais, parce qu'en fait, il faut toujours prendre des chaussettes avec un pourcentage de coton plus supérieur que les autres pourcentages de matière. C'est-à-dire là, c'est 75% de coton, 23% polyester et 2% élastane. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. C'est beaucoup plus de coton. Ouais, parce qu'en plus, parce que sinon, polyester et élastane, ça te fait transpirer des pieds et après c'est pas jobard. C'est pas jojo. Moi je te dis c'est pas jojo, Jean-Mi. On reste dans le pied. J'ai repris ceci. Alors il y en a pour les mains et il y en a pour les pieds. C'est tout simplement un scrub, un gommage et une crème hydratante. Donc là le total pour les pieds, le total pour les mains ou vice versa. Hein, on va pas, voilà, food et pieds. Ça j'ai jamais testé. Food et pieds, non. Food et hand. Foot et c'est pour les pieds et hands c'est pour les mains. J'ai pris ça en fait parce que je vous l'avais fait gagner dans un jeu concours et en fait je l'avais donné à quelqu'un d'autre. Donc bref, j'ai racheté ça pour envoyer à la personne qui a gagné le petit jeu. Donc moi j'ai acheté souvent que je suis en rade de chargeur, de câble et tout. Donc je vais tester pour vous ça. C'est un porte-clés avec les petits chargeurs. Donc je pense que je vais le laisser dans mon sac ou je vais le laisser sur mon porte-clés. Bon après c'est pas non plus hyper esthétique. J'espère que sur mon porte-clés, ça va pas user les connectiques en fait. Mais écoute, on va voir, je voudrais bien que ça marche bien parce que ça va être hyper pratique, tu vois. Ouais, c'est clair. Non mais vraiment. Mais par contre, je comprends pas. En fait non, ça tu le branches sur l'ordi, ouais. Ou sur un chargeur et après soit tu fais ça, soit tu fais ça. Tu vois pas? T'inquiète, on va l'expliquer plus tard. J'ai compris l'idée. J'ai compris le principe. Oh, ça, j'aime trop, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. Non, mais je te jure. Non, mais parce que tu sais. Moi, j'ai pris des bombes de bain. Bah, non, j'en ai pas assez, hein. Bah, oui, je prends des bombes de bain. Elle a un. Elle, carrément, les gars. Elle a un vase. Tu sais, le vase. Pas le vase, le petit vase, genre petit bouquet fleuri. Genre, le vase comme ça. Genre, plus grand que ton corps. Et elle a plein de boules dedans. J'aurais montré. T'as plein de boules.
T'as plein de boules déjà, tu peux même pas finir toutes tes boules en une année. Pourquoi t'en rachètes? Donc j'ai pris des bombes de bain comme ceci. Alors soit pour moi, mais soit pour les faire gagner. Et après, plein, c'est cher. J'avoue. Mais je les ai vus dans les halls. Bah oui, j'ai des vues dans les halls, donc je suis obligée de les acheter. Comme ceci. Mais Rose, raisonnez là. Raisonnez là. Mais... Attends, j'en ai d'autres, je les monte direct. Donc, ouais, monte direct, sinon je vais chauffer. C'est mieux pour toi, tu montes tout de suite. Ouais. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Hop, ça fait un peu voyant. Oh bah oui, il y a des petites mains, c'est beau. En plus, ça fait un petit peu comme. Elle est énorme, cette boule. Elle est énorme, cette boule. Bah, elle est grosse. Ça fait en... Oui, c'est vrai. Comparé à celle-là. Ça fait un peu ambiance. C'est vrai, un peu sorcière et tout. Ouais, c'est ouais. But. Mais c'est donc très celle-là, joli. Bah, elle est jolie. Donc, ce sera soit pour moi, soit pour un jeu concours. Et je prends pas de bain parce que j'ai pas le temps de prendre des bains. Donc, celui-là. Il y a toujours le temps avec de choses, la petite sirène. Il suffit de le prendre. Il faut le prendre. Et pour finir, j'ai pris deux galets pour le bain, comme ceci. Hop. Mon frère, il dit putain. Faut pas dire des gros mots. Donc celui-là, je hume rien à travers le pochon. Et celui-là, comme ceci. C'était les deux seules couleurs que j'ai trouvées. Donc. Donc j'ai acheté une coque. En fait, c'est une coque intégrale. C'est une coque qui fait devant, derrière. Pour l'iPhone que je vais bientôt avoir. Donc je vais bientôt avoir un iPhone. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a la coque et aussi il y a une vitre de protection pour la façade. Donc c'est hyper cool. Et moi, je le conseille parce que toi, t'en avais une, rappelle-toi, oui. Que t'avais acheté à AliExpress. Et que ça fait quoi ? 2 ans ouais. Que tu l'as ? Ouais, et elle bouge pas. Il y a juste les boutons qui sautent derrière. Mais c'est... Et en plus, t'as dit que t'avais la protection de la vitre. Ouais. Et la protection de la ouais. Non, ça va être pas mal. Non, j'espère que ça va être top, top, top. iPhone X. iPhone X. 10. Ouais. 10, ouais. 10. X. Ouais, alors. Bah, c'est ça. Ouais. Ensuite, j'ai pris. Je vous montre deux petits c'est articles. De... J'ai vu dans des halls ces trucs-là. C'est satisfaisant. Non, mais d'où j'ai... Bah oui. Moi, j'ai jamais testé personnellement. Et ça fait longtemps que je les vois tourner dans les vidéos. Donc, ça, en fait, ce sont des chips de chocolat. Donc on va tester ça. J'ai pris chocolat au lait et chocolat. Okay. Jamais testé. Hâte de voir ce que ça va donner. Attends, parce que toi t'as plein de choses. Ensuite, oh, le meilleur pour la fin. Ensuite, j'ai pris ceci. Je vais vous mettre tout de suite une petite incrustation pour vous montrer les différentes humidités. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We could be true, we could be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. Ça se présente comme ceci. C'est un espèce de petit labello. Arrête, mon frère. De petit labello avec bleu. Petit mini par-dessus. Il y avait la Reine des Neiges, il y avait Olympe. Olympe, comment il s'appelle super Olympe, je sais pas. Le pas gars de la Reine des Neiges. Et ouais, il se présente comme ceci. Ah, c'est le gars de la Reine des Neiges en vrai. Non, c'est pas le gars, mais c'est son mec. C'est pas son gars, c'est son mec. Donc voilà, c'est un petit labello comme ça. Chikeboula. Je le trouvais plutôt mignon. Je me suis laissé tenter. Pour une fois que je me laisse tenter par un truc estampillé Disney, je trouvais ça trop chou. Et puis je crois que ça, ouais, voilà, vous pouvez l'enlever. Voilà, vous pouvez le garder. Tu es trop mignon. Ensuite, j'ai acheté. Regarde. J'ai acheté. Un canard. J'ai acheté un canard. Pour mon chien, pour Ruby mon chien. Et tu vois les petites ailes, elles sont sensorielles. Il y a des petites, ça fait du bruit, voilà. Donc information sensorielle auditive. Et donc il y a le petit canard. Et en fait il est en doudou, tu sais un petit peu genre comme les paniers pour chiens d'IKEA. Et il est hyper doux et il fait du petit poète poète. Poète poète. Voilà. Donc il est content. Il vous dit qu'il est content d'arriver dans cette maison. Et donc voilà, il est content aussi de faire la vidéo avec nous. Et il va s'envoler. Hop, voilà. J'ai pris ce petit mascara que moi personnellement. Mascara. Mascara. Que moi j'aime beaucoup. Je vous conseille à 2000%. Franchement, il est top. Même si
vous avez du mal à le travailler. En 2 francs 6 sous, ça y est, c'est fini, c'est posé, c'est calé, décalé. J'ai pris ceci pour la petite chouquette. Oui, tonton, il est pas d'accord. Hein, petite chouquette, bah, t'as acheté des petits lus et puis c'est tout. Mmh, mais la petite chouquette, elle aime beaucoup ces gâteaux-là. Donc voilà, c'est des toutes petits princes comme ceci. Vous avez 3 ou 4 pochés. Voilà, c'est nickel chrome pour la petite chouquette. T'as bien la présenter? Ensuite, on a acheté pour la... Oui, la Est-ce nounou. Est-ce qu'elle regarde? Non. La nounou? Non, oui. Elle regarde pas. Alors, on a acheté pour la nounou une boîte Celebrations. Celebrations. Parce que, voilà, elle nous aide, elle t'aide. Elle, ouais, elle... 500 balles par mois, elle me donne. Bah en même temps, oui. Je veux dire, regarde tes gosses, faut bien la payer, hein, la pauvre. Tu m'étonnes. Enfin, c'est même pas la pauvre, elle gagne plus que moi. Mais donc, voilà, et des petites célébrations, petit faux fleurilège, tout ça, tout ça. Voilà. Le gars il se fatigue tout seul. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non mais s'il vous plaît. Chut, non mais. Chut. J'ai pris ceci. À croire on est des gros crasseux. T'es obligé d'acheter des trucs pour le bain, pour machin. J'ai pris ceci. Ça c'est une bouteille de champagne. Je trouvais ça super joli. Ça fait ouais. Est-ce que toi, devant ton écran, tu te crispes comme moi là? Est-ce que t'es crispé à l'intérieur? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais les fesses? Mais pourquoi elle achète ça quoi? Hein? Pourquoi? Et ton œil, il tremble aussi. Bon. Tu fatigues. J'ai pris ceci. C'est du vin moussant comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Non, bah pourquoi pas? Bah non, pas. Garde le pas et pas le pourquoi. Je trouvais ça choupi. Tu représentes ça. Donc ça c'est du gel lavant pour les enfants. Franchement le packaging. Non mais le gel lavant pour les enfants. Bientôt ça va être... Oui. Alors du gel lavant pour les enfants de 6 à 9 ans. Un gel lavant pré-ado. Non mais au bout d'un moment. Non je trouvais mieux. Garde la pêche. Non, c'est vrai que les enfants à partir de 3 ans tu peux commencer à leur donner du dope dégueulasse et tout. Mais avant ils ont la peau un peu sensible. Bah ouais bah du coup tu... Moi j'en ai marre ça, en fait. J'ai pris ça. J'ai pris ça, je vous laisse au niveau de la compo, comme ça vous, hein, vous direz si mon frère a la raison ou s'il a tort. Voilà, faudrait faire un petit yuka. Fais un petit yuka là. Bah ouais, bah ouais, volontiers ma gueule. Voilà ce que ça bon donne. Et ensuite, j'ai pris ce petit gel douche là, que je trouvais trop mignon. Moi j'ai le petit American, je le trouvais trop chou. Et c'est surtout l'odeur, parce que je m'étais dit que j'arrêtais d'acheter des trucs comme ça, mais en fait l'odeur, je trouve que ça sent trop bon, ça sent un peu le... Le bonbon acidulé. Mon frère m'a dit plus ça sent bon, plus la composition est pourrie. Et mauvaise, bah oui. On va voir si c'est sur bah, le cas. Oui. Attention, j'ai pas fermé. Attends. C'est et donc voilà. Sur le cas, ça va, c'est, ça va pas être je possible. Je trouvais trop. Donc trop, c'est trop, bon. Trop. Waouh. Alors regarde, ma... regarde. Tu vois ou pas? 6 sur 100. Mauvais. Mauvais, ok. Alors celui-là. Le truc pour les enfants. Le truc pour les enfants, bah oui, parce que pour les enfants, ça va être hyper bien, ça va les protéger. Ah, ok. Y'a ? Quoi ? 100 sur 100, excellent. Et c'est qui va fermer ? Nang, nang, ça nous fera vas-y, des donne-moi vacances. Tes boules. Mes boules de quoi ? Tes boules. Mes boules. Alors, la boule. La boule. Bon, c'est pas mal, 79. Ouais. Et t'as pas un truc. Ah, tiens, dope, donne-moi ton dope. Ah, oh, ouais, bah oui. Le dope au chocolat chaud. Forcément. Bon, 65. Ah, oh, ça va. Mais quand même, 65 quoi. 65 sur 100. Ça, c'est ouais. Les pourris. Mais au final, c'est pas mal ça. Oui. Est-ce qu'on peut faire la bouffe des chiens? La bouffe des chiens, est-ce que c'est. Non, mais, non, mais peut-être qu'il y a une section animale. Ah non, renseigne aux produits inconnus. Bon. C'est juste pour les yeux. Ouais. Donc voilà, on a acheté d'autres trucs. Non. Bah c'est déjà pas mal, moi je trouve quand même. Donc voilà, et puis bah moi je vais y aller. Je vais y aller. J'entre à la maison. Donc voilà, pour les petits achats qu'on a achetés. Ouais. Laissez-moi un commentaire pour me dire, bah déjà pour nous dire, pour me dire que j'arrête d'acheter des conneries. S'il laissez-moi vous plaît. Un commentaire pour me dire ce que vous pensez de nos achats. Laissez-moi un commentaire pour. Je sais plus et je vous la prochaine fois, il y aura un iPhone dedans et je vous montrerai et je vous ferai un petit retour sur l'iPhone. Des trucs quoi. Il va se la péter. Et ouais, laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous pensez aussi que 89€ c'est un petit peu cher. Voilà. Ça dépend par rapport à quoi, ça dépend. Enfin 89€, ça dépend. Bah c'est pas cher pour un loyer.
d'appartement à Paris, mais... En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le fait que je sois avec le petit frère vous a plu. C'est rare qu'on fasse des vidéos, mais on adore en faire. En tout cas, je ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Hein. Mine de rien, ça faisait longtemps. Ma foi, c'était dans la voiture, je crois. J'avoue, ma foi. Ah, quand bébé l'avait pleuré. Oui, mon bébé. Donc, on vous fait des. Enfin, moi pour ma part, lui je sais pas, mais je vous fais des très 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 moi bons aussi, bisous. Moi faites aussi. Attention à vous, faites attention à vos proches. Je t'aime. Il faut moi dire. Aussi. Il faut dire. Non, c'est pas vrai. Il faut dire aux proches que vous les aimez avant qu'ils soient trop J'aimerais tard. J'aimerais plus si tu m'achètes un cadeau à Noël. Bref, je vous dis. Toi aussi, tu fais le chantage. À très très bientôt dans une prochaine. Les AirPods. Il veut les AirPods. Est-ce que... Laissez-moi un commentaire pour me dire si les AirPods c'est bien ou pas. En plus, il y a les deux là. Oui. Bref. Non, mais je veux pas les AirPods genre rechargeables sans fil. Je fatigue. J'ai acheté les AirPods Action, ils sont plutôt pas mal. Oh, les gros trucs. En fait, c'est plus un AirPod. Oui. Le truc, c'est comme ça. C'est comme un ça, téléphone, bam. C'est comme le téléphone. Ouais, c'est bien les écouteurs. Attends, je peux pas passer par la porte. Bref. Je vous fais des gros bisous et on vous dit à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.